Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va faire le bilan du mois d'août concernant mes enveloppes budgétaires. Donc voilà, ça fait un mois de vacances, un mois que du coup je n'ai pas mis le nez dans mon budget. Disons, je l'ai suivi bien entendu de loin, mais c'est vrai que du coup je ne vous ai pas fait une évolution durant tout le mois. Donc du coup on va pouvoir voir un petit peu ce qui a été fait durant ce mois-ci. Donc ça n'a pas été évident, ça a été compliqué. Parce que du coup, ce que j'avais planifié, ça a été chamboulé suite au vol de ma carte bleue notamment. Et donc du coup, j'ai dû avoir du retrait sur mon lieu de vacances. Mais ça, vous avez déjà pu le suivre dans mon précédent vlog que je vous remets juste là, si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, ça a été pas évident à gérer. J'ai dépensé plus que ce que j'avais prévu. Ça, il faut pas se leurrer. Moi, à partir du moment où j'ai de l'argent liquide dans les mains, et ben, piou, tout s'envole. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'opte principalement pour tout ce qui est par carte bleue, parce que j'arrive beaucoup mieux à gérer de la sorte. Donc du coup, je vous propose de voir tout ça directement ensemble sur la table. Allez, on va commencer du coup par le budget mensuel et on verra celui des épargnes après. Alors, concernant le budget mensuel, alors du coup, là, concernant les courses, j'avais rajouté 300 euros concernant les courses. Donc là, j'ai utilisé 198 euros sur la totalité, quasiment 197 et des brouettes, mais bon, je vais faire 198, attendez, c'est juste là en bas, moins 198 euros, donc il me restait 102 euros. Sur ma carte cadeau, voilà, donc ça je l'ai fait début du mois. Je vais pas mettre la date, mais voilà, j'ai dû faire autour du 5 août, je crois. Plein Carrefour. Voilà, parce que du coup, il me restait 102 euros sur ma carte. Ensuite, concernant le carburant, donc là, je n'ai pas tout noté, mais effectivement, j'ai bien tout utilisé. Donc, j'avais fait le plein. Une fois début de mois, je crois la première semaine d'août, j'ai refait un plein une fois arrivé sur place sur mon lieu de vacances. Après on a bougé, on a un petit peu bougé quand même aux alentours de Monteux où on se trouvait dans le Vaucluse. Et avant, sur le chemin du retour, j'ai refait également un plein. On était quoi aller à 50 km de la maison, donc j'ai refait un plein et donc là il me reste encore la moitié du réservoir. Donc je pense que là je suis bien partie pour un bon petit moment pour le concernant le mois de septembre. Donc je vais pas forcément marquer les dates, mais je vais marquer 3 pleins. Du coup le montant ça fait moins 150, donc je suis à 0. Voilà. Concernant les activités, donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé donc suite au vol de ma carte bleue, j'ai utilisé mon chéquier, j'ai dû tout réorganiser, donc j'ai privilégié tout ce qui était activité dans un premier temps qui prenait les chèques, vu que le vol a eu lieu un samedi soir, il fallait que du coup je tienne jusqu'au mardi, donc j'ai dû tout réorganiser, ça a chamboulé, on a fait des choses en plus que je n'avais pas forcément prévues au départ, et bien entendu, comme ça nous a bien contrarié, surtout moi en tout cas, j'ai voulu compenser en faisant plaisir aux enfants et tout par rapport à certaines choses. Donc du coup, j'ai un peu plus dépensé. Donc j'ai décidé de piocher dans au niveau de la gestion du budget, donc dans la rubrique enveloppe activité. Donc là, on va marquer vacances août, donc moins 70 euros. Ça reste quand même des activités, donc voilà. Après, je viendrai la remplir au fil du temps. Concernant la santé, donc là, j'ai dû faire un petit achat avant de partir en pharmacie concernant un produit, c'est les petits roll-on, là, pour éviter de trop se gratter suite aux piqûres de moustiques. Donc, je l'ai fait tout début du mois. Donc, c'était 7,11 €. Donc du coup ça me fait du 42,89 €. Donc là je vais marquer
Roll-on moustique. Voilà, comme ça on saura. Non, je vais marquer que c'était au mois de... Je mets au 1er août, mais je ne sais plus quelle date c'était. Mais bon, ça devait être autour du 10 ou quelque chose comme ça. C'était juste avant de partir en vacances. Parce qu'ils avaient été en rupture. Ils avaient été en rupture avant de partir. Concernant le divers. Donc du coup, le divers. Alors oui, j'ai absorbé du coup 70. Donc j'ai dit j'ai 19,95 €. Alors, moins 19,95 €. Hop, également au mois d'août. Voilà, donc là, je ne sais pas combien ça fait. Je ne sais pas où est ma calculette. Je ne l'ai point préparée. Allez, là. Hop, allez, go. Donc, 42,21 € moins 19,95 €. On tombe à 22,26 €. Donc, voilà, il me reste 22,26 € dans cette rubrique-ci. Concernant l'occasion, alors là, j'ai remis en vente certaines choses. Donc, du coup, là, j'en ai un plus. J'ai mon fils aussi qui a voulu s'acheter un jeu que j'ai du coup payé directement avec ma carte bleue. Donc, lui, il me l'a payé directement en monnaie. Donc, je sais plus exactement, c'était quasiment 12 €. Il me reste pas mal de monnaie. Je vais peut-être les mettre... faut que je fasse le tri. J'ai tout ça. Moi qui n'ai jamais de monnaie, j'en ai pas mal du coup. Donc du coup, j'ai un jeu de 12 € et après, je crois que j'ai vendu pour 10 € et des brouettes. Donc je vais mettre de côté la monnaie. Voilà, je vais mettre 12 € de côté. Ce sera réalimenté dans les fiches. Hop, là, donc ça, c'est tout ce que j'ai vendu. Voilà. Donc du coup j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15. Donc là j'ai déjà 15 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10. 10, donc 15, ça fait 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Bon, ça fait 90, donc ça fait 16,90 €. Allez, on va les rajouter. Je vais les rajouter là. Plus 16,90 €, donc vente de août. Donc du coup ça nous fait, donc on était à 89,5 plus 16,9 égale, on est à 106,4. Donc ça fait 106,4. Voilà, donc pour le mois d'août je suis à 106,4. J'ai encore d'autres choses où les personnes doivent venir les récupérer, donc du coup on verra bien quand c'est qu'elles auront l'occasion de venir pour pouvoir compléter mon enveloppe budgétaire. Allez, hop, si je les avais pris, 90, non, j'avais pas pris ça. Qu'est-ce que j'avais pas pris? Je sais plus, c'est pas grave, on n'est pas à quelques centimes près, hop. Ça, je vais mettre là. Comme ça, ça me fait de la monnaie si jamais j'ai besoin. Hop, concernant ça, donc ça, c'est les enveloppes, les ventes que je fais d'occasion, de tout ce qui est les jouets, les vêtements des enfants, entre autres. Allez, on passe concernant les enveloppes épargne. Hop, je tourne un petit peu parce que là, du coup, j'ai pas trop de place. Je suis sur... mon bureau pour filmer une vidéo, c'est pas évident, ce qu'il y a de plus évident, sachant qu'en bas j'ai les enfants, donc je vais pas les déranger avec ma petite vidéo budget. Alors, concernant le shopping, donc le shopping, ça n'a pas bougé ici, donc Kiabi, ça n'a pas bougé, là non, il n'y a rien eu, sachant que j'avais
j'ai fait les achats pour les chaussures des enfants. Donc je suis allée à Decathlon. J'avais un reliquat sur ma carte Decathlon du mois de mai ou juin. Je sais plus quand c'est que je l'avais acheté. Donc il me restait 80 et des brouettes, bref. Et donc du coup j'ai acheté l'équipement chaussures pour les enfants. Donc je l'achète toujours juste avant la rentrée de manière à pouvoir avoir la bonne pointure par rapport à l'automne. J'ai déjà eu l'occasion de profiter de promos ou autres en début de saison, du genre en juin, mai ou juin. Et en fin de compte, je me suis dit, bah tiens, c'est la bonne opportunité, on va faire les promos là. Et finalement, au mois de septembre, eh ben, ils avaient changé de pointure. Alors là, ils sont grands, mais bon, en attendant, des fois, ça peut aller vite. En 4-5 mois, ils peuvent changer d'une pointure, d'une taille. Donc j'attends toujours, on va dire, je vais pas dire le dernier moment, mais j'aime bien acheter le moment venu de manière à pouvoir, bah, du coup, acheter à la bonne taille, quoi. Éviter de retourner 15 fois au magasin et dépenser l'argent pour rien. Concernant les cadeaux, donc les cadeaux, là, pour le moment, j'ai rien acheté, mais je vais pas tarder à acheter le cadeau de ma fille. J'ai toujours un reliquat de ma carte Amazon que j'avais prise ici. Donc j'ai toujours un petit peu d'argent à Amazon encore en disposition sur mon compte. J'avais acheté l'aspirateur avec et donc du coup il me restait un petit peu. Et donc du coup j'ai déjà acheté toute la décoration avec. Donc comme c'est pour fin septembre, disons le 23, on va faire le 23 avec ses copines. Donc du coup j'ai quand même déjà commencé à anticiper. Concernant là, alors le remboursement, je n'ai pas fait le point. D'ailleurs, je vais le faire, je le ferai après et puis je vous montrerai du coup les remboursements qui sont tombés lorsque je ferai je programmerai le budget du mois de septembre. J'ai pas eu énormément de remboursements sur le mois d'août et au mois d'août, comme j'étais principalement en vacances, je n'ai pas spécialement demandé de remboursement non plus. Donc là, je vais le faire, les 2-3 remboursements sur les prochaines courses que je vais faire. Je sais pas si j'aurai le temps de bien tout regarder pour faire des optimisations au max, mais dans tous les cas, je vous les indiquerai comme d'hab. Concernant Shopopop, j'en ai pas fait non plus. Concernant les vacances, donc là tout a été utilisé, sachant que comme je vous avais dit, j'ai payé la première journée en carte bleue au parc Spirou, après et la veille aussi, la soirée et la veille au soir, et après j'ai tout payé soit par chèque, soit j'ai dû faire un retrait de 300 €. Donc normalement j'en avais pour 200 € à peu près d'estimation au niveau des activités que je devais faire. Je me suis dit je prends de la marche avec 300 €. Finalement, je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais dans tous les cas j'avais peur d'être en manque et on était en vacances. Donc du coup j'ai préféré prendre un peu plus large et finalement il me reste pas énormément. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu dépassé le budget, mais sachant qu'il y a des activités que je n'ai pas fait avec les enfants, style accrobranche, pour pouvoir économiser, leur proposer, comme il faisait hyper chaud, de pouvoir avoir un peu de monnaie pour pouvoir acheter une boisson, une glace, se faire plaisir sur place, et surtout pour eux et non pas pour moi, même si les activités, tous ensemble, c'est quand même plus sympathique. Mais bon, j'ai préféré me sacrifier notamment pour l'accrobranche. Le trampoline park, je ne pouvais pas à cause de mes cervicales, donc ça c'était caroublé. Mais voilà, donc mais après les d'autres activités, je les ai faites volontiers avec eux. La forêt enchantée, j'ai fait également le wave, le cinéma, on a fait plein de choses. J'ai fait le parc Spirou, on a fait les papillons, on a fait énormément de choses. Donc si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo. Donc là, il me reste du coup 23,05 €. Donc du coup là j'ai décidé de tout retirer. Je retire ou je laisse, je sais pas. Comme c'est de la monnaie, c'est en liquide, ça me gêne un petit peu. Je pense que je vais mettre dans les défis et je vais repartir de zéro par rapport à ici. Comme ça, au moins, on part sur de nouvelles bases. Et moi, ça me permet de remplir mes défis également. Donc là, je vais mettre la totalité. Comme ça, on repart sur de nouvelles bases pour l'année prochaine. Donc, je les mets de côté également pour remplir les défis après.
Hop, concernant donc les vacances, bon ça va falloir tout que j'efface. Je vais pas le faire avec vous, je le ferai après. Je vais juste y barrer comme ça. Je saurai qu'il faudra que j'y nettoie pour la prochaine vidéo. L'assurance maison, ça n'a pas bougé. L'assurance voiture non plus. L'entretien de la voiture, ça n'a pas bougé. J'ai rendez-vous le 6 septembre, ouais, mercredi, dans une semaine. Le bois, alors là, j'ai pas retiré encore, mais je vais aller retirer parce que du coup, je vais me faire livrer le bois demain. J'en ai pour 290 €. Donc du coup je vais pouvoir retirer de l'argent et où je vais voir du coup vu que je le paye en liquide à moins que je récupère l'argent des défis, je sais pas trop. Vu que j'aime pas avoir trop de liquide avec moi, j'avoue que je sais pas comment je vais faire. Je vais regarder et je vais faire le point après, mais dans tous les cas voilà, j'ai 290 € du bois qui vont sortir. Le défi gym, donc j'ai enfin reçu le dossier là il y a 2 jours concernant le gym de ma fille. Donc comme vous savez, elle a été reçue pour faire de la compète. Alors là, elle est dans un groupe de remise à niveau. Donc j'ai les tarifs, donc ce sera 160 € pour l'année. Et également, il y a, normalement, je dois toucher les 50 € du pass sport avec la CAF. Donc là, pour le moment, je ne l'ai toujours pas reçu. Donc j'espère l'avoir parce que normalement, vendredi, je suis censée payer et donner tout le dossier d'inscription. Ouais, c'est génial, hein, on reçoit le lundi. Pour le vendredi, il faut que tout soit carroublé. Alors qu'on avait tout l'été, mais bon, bref, c'est pas grave. Et les cours commencent dès le mercredi prochain, le 6 septembre. Voilà, donc du coup, ils commencent super tôt. Alors que d'habitude, ça commence toujours mi, voire fin septembre, les activités, eux, du coup, ils recommencent de bonne heure. Donc là, effectivement, il me restera, du coup, s'il y a les 50 € de prix, il me restera 110 € à payer. Donc, comme j'ai 300 €, je suis large et j'aurai même un peu de... J'aurai quand même du budget d'avance pour l'année prochaine, limite... Voilà, il me restera du coup 190 €. Ça me fait déjà la licence de l'année prochaine. Donc, dans tous les cas, je laisserai dans l'enveloppe défi gym. Au cas où ma fille, elle venait à changer en cours d'année de groupe et partir dans de la compète si elle a rattrapé son retard ou autre. Et que du coup, on me demande un complément en cours d'année. On ne sait jamais. Au moins, j'aurai quand même déjà du budget ici. Concernant les cartes cadeaux, donc du coup, j'ai 2 x 9 € qui sont tombés durant le mois. Comme je vous disais, j'avais bien avancé mes cagnottes, donc voilà, j'ai eu 18 € qui sont tombés durant le mois, donc là je suis contente, c'est plutôt pas mal. Concernant ces défis là non, donc les défis des centimes, qu'est-ce qui nous reste? Alors bah, du coup j'ai tout ça, je vais mettre de côté. Donc ça nous fait 5 6 7 8 9 10, donc ça nous fait 1 €, 1 € 10, 1 € 14. Alors, 1 € 14. Bah oui, c'est gentil, mais le défi des centimes, là, je vais déjà l'exploser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 14. Alors, 1, 2, 3. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 11, 12, 13 et 14. Et du coup, je vais rajouter 1 € ici. Voilà. Hop. Hop, défi donc là 1 €, j'ai pas. Défi des 2 €, donc là j'ai 2 pièces de 2 €. Donc du coup, une enveloppe ça fait 2 €. Donc hop, ça permet d'avancer du coup les défis. C'est cool. Ensuite, le défi des 5 €, donc les billets de 5, comme vous savez, comme j'ai pas beaucoup d'argent, je fais pas forcément les 5, mais j'utilise pour mettre les billets de 10 et de 20 €. Dans tous les cas, il faut bien que je les cale quelque part.
Comme vous savez, je n'ai pas multiplié les défis parce que pour le moment, voilà, j'ai quasiment pas de monnaie, j'ai pas beaucoup de liquide, donc je vois pas trop l'intérêt de multiplier les défis. Donc je vais venir les mettre ici. Donc du coup, là, ça me fait 30 euros, du coup. On va remplir ici. Alors, ça me fait 5, 10, 15, 20, 25 et 30 euros. Voilà. Donc, c'est top. On se rapproche gentiment de la somme finale de 100 euros. Voilà. Donc, je suis plutôt quand même contente par rapport à ça. 2, 4... 70. Hop. Hop, et voilà. Donc ben voilà pour le budget, donc le bilan du mois d'août, donc quand même plutôt positif, même si effectivement j'ai utilisé tout ce qui est au niveau du budget vacances, effectivement je suis à zéro. Par contre, si on regarde le budget course alimentation, il me reste encore 102 euros. Concernant tout ce qui est vente, j'ai pu mettre de côté tout ce qui était occasion. J'ai fait quand même quelques ventes et j'ai pu faire quand même 20 euros d'économie. Oui, sur les vacances, j'ai pas tout dépensé puisqu'il me reste encore 20 euros dans le portefeuille. Et du coup, j'ai compensé avec les activités sportives, les activités extérieures et puis mon enveloppe budgétaire du d'hiver de manière à pouvoir rééquilibrer durant ce mois-ci. Donc, mine de rien, je suis quand même contente parce que je suis quand même dans le positif à la fin du mois. Donc, voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!